des mages, c'est l'étoile. L'étoile qui d'ailleurs a donné sa forme aux galettes des rois. Parce qu'en principe, sur une galette des rois, il y a la trace de l'étoile. C'est rond et il y a des rayons qui rappellent l'étoile. Mais il y a dans ce récit quelque chose qui est plus clair que l'étoile, qui est plus lumineux que l'étoile et encore plus signifiant, c'est la joie. C'est la joie des mages. En voyant l'étoile, dit l'Évangile, ils se réjouirent d'une très grande joie. Et dans cette expression, il y a quelque chose qui est doublement renforcé. Il y a le terme de joie est dédoublé, et puis cette joie est très grande. Donc on ne peut pas faire plus fort que cette joie-là, tout au début de l'Évangile de Matthieu avec les mages. Et donc cette joie nous frappe et nous parle. Elle nous surprend pas seulement parce que ces mages qu'on imagine un peu austères, comme des savants, penchés sur leur feuille de calcul, sont tout à coup accessibles à quelque chose de différent. Mais on y est sensible aussi parce que cette joie, souvent, nous fait défaut, alors même qu'elle est notre vocation. Alors on se la souhaite, hein, joyeux Noël, joyeuse fête. Pas joyeuse année d'ailleurs, et on se dit pas joyeuse année, peut-être parce que c'est une habitude qui n'est pas chrétienne, voilà, qui est un peu différente. La joie est quelque chose qui est assez spécifiquement chrétien dans ce souhait qui nous est fait à Noël. Donc nous appelons la joie de nos vœux et en même temps, même si nous pouvons parfois l'effleurer ou la goûter, elle nous échappe assez facilement. Comme cette étoile qui précède les mages et qui est toujours un peu loin d'eux. Voilà, donc je voudrais partager avec vous quelques réflexions, quelques considérations sur cette joie, avec ce sentiment assez marqué que peut-être pour certains d'entre nous, particulièrement, c'est un terme qui est difficile, voilà, parce que nous pouvons traverser des moments qui sont particulièrement douloureux ou tristes et et peut-être que justement, dans ces circonstances-là, la joie est pour nous. Elle est pour nous comme un rappel de ce à quoi nous sommes invités. Et si la joie de l'Évangile était seulement pour ceux qui allaient bien, elle ne servirait pas à grand-chose. Elle est précisément pour ceux qui ont du mal à se réjouir. Et donc, pour nous. Alors, quelles sont nos plus grandes joies? On peut y penser chacun. Pour notre part, pour ce qui nous a réjouis, ce qui nous réjouit habituellement dans notre vie, dans nos existences. Et je voudrais essayer, à partir de ces différentes joies que nous connaissons, de tisser quelque chose avec celles qu'on peut percevoir chez les mages et qui a au moins trois formes, trois aspects différents. Alors, il y a une première joie qui est une joie un peu malicieuse. Un peu jubilatoire aussi, c'est la joie qui se saisit de nous quand nous voyons que le faible sait jouer des forts et des puissants. C'est la joie qu'il y a dans les contes pour enfants. Donc, le petit Poucet, Cendrillon, quand il y a un retournement de situation imprévu, où le petit, celui qui était mal parti, tout à coup, devient celui qui gagne et renverse le pouvoir des arrogants et des puissants. Alors, ce n'est pas seulement un thème de conte biblique, mais c'est bien de conte pour enfants, mais c'est bien sûr un thème très biblique. Vous pourrez penser à l'histoire de David, par exemple, ou à celle de Moïse sauvé des eaux, hein, dans ces deux récits. Et comme dans bien d'autres, on a l'exemple d'un petit, d'un enfant ou d'un tout jeune qui tout à coup arrive à se sauver et à produire quelque chose qui est plus fort que la force des puissants. Alors on a quelque chose de ça dans le bon tour que les mages vont jouer à Hérode, puisqu'ils passent pour voir Hérode et se renseigner avec beaucoup de bienveillance, presque un peu naïvement, hein, sur ce qui se passe, où est ce roi qui vient de naître. On perçoit bien qu'Hérode va essayer de les manœuvrer et de les manipuler pour aller tuer dans l'œuf ce futur roi qui va naître là ou qui est né. Et alors,
Voilà, les mages repartent par un autre chemin et le lecteur est tout content de ce bon tour joué à Hérode, dont on sait qu'il est un affreux tyran, hein, par ailleurs. Voilà, il y a une sorte de joie de la simplicité, des cœurs purs, une joie malicieuse, un peu enfantine dans ce récit, comme dans plusieurs autres, mais on le voit dès la naissance de Jésus comme quelque chose d'une promesse. Qui jaillira plus tard d'ailleurs à la croix. Voilà, Luther utilise une image assez savoureuse pour parler de la croix, de la mort et de la résurrection. Il dit, c'est comme Jésus a été l'appât qui a permis d'attraper le poisson. Et donc c'est un bon tour joué à la mort. Donc la mort a mordu à l'hameçon en Jésus et elle a été ensuite vaincue parce qu'elle a été pêchée par Dieu. Il y a cette idée du bon tour joué par Dieu à travers tout ce qu'a été Jésus depuis sa naissance jusqu'à sa résurrection. Donc c'est une première petite joie, on pourrait dire, assez malicieuse, hein, la joie des soirs au coin du feu et des récits avec la grand-mère qui lit le conte. Alors il y en a au moins une deuxième qui sans doute est plus visible. C'est la joie. Pardon, c'est la joie de la réussite. C'est la joie d'arriver à nos fins, une sorte de satisfaction qui justifie les efforts qui ont été accomplis. Par exemple, c'est la joie d'arriver au sommet d'une montagne après une assez longue randonnée difficile où il fallait monter. Ou alors c'est la joie d'un examen qu'on a réussi, d'un cap qu'on a réussi à passer au terme d'un grand effort. Donc là, la plupart du temps, dans cette joie-là, il y a un accomplissement et en même temps un commencement, hein, un aboutissement et puis le début d'un chemin. Quand il y a seulement un aboutissement, alors assez souvent après, il y a une déprime. Je pensais au cas de Yannick Noah, le champion de tennis, qui avait remporté Roland-Garros. Et alors, il racontait 2 ans, 2 ou 3 ans plus tard que, après cette victoire formidable, il était tombé dans une dépression assez profonde parce qu'il avait l'impression qu'il n'y avait plus rien à gagner après Roland-Garros et que donc le but de sa vie avait été atteint et qu'il ne savait plus comment continuer. Alors heureusement, il a trouvé de la ressource pour se mettre à chanter, faire d'autres choses. Mais voilà, la joie de l'accomplissement est très souvent accompagnée de la joie de quelque chose qui commence. Et c'est quelque chose que vivent les mages dans cette joie devant l'étoile qui s'arrête. Et vous remarquez dans le texte d'ailleurs que c'est dit de façon assez discrète, assez fine, parce que ce n'est pas au moment où ils voient Jésus que les mages se réjouissent, mais c'est avant. C'est au moment où ils voient que l'étoile s'arrête au-dessus de la maison, comme pour dire, eh bien, il y a un chemin qui est accompli, qui enfin obtient sa récompense et son but, mais aussi tout commence. La rencontre n'a pas encore eu lieu. On sait maintenant qu'elle va avoir lieu, qu'ils ont trouvé, mais tout reste encore à découvrir et à vivre. Voilà, il y a là une joie qui ressemble sans doute à celle de la foi, tout simplement, d'une rencontre qui tout à coup vient faire signe dans notre vie, nous procure comme une sorte de sentiment reconnaissant que quelque chose a été découvert comme un trésor et en même temps qui ouvre un chemin nouveau, qui ouvre un regard différent sur le monde et qui va pas se résumer à un moment, hein, un flash de joie, mais qui va ouvrir un temps plus long où cette découverte, cette rencontre va se poursuivre. Voilà, donc je crois que c'est cette joie-là qui est bien présente chez les mages et qui est aussi présente plus discrètement dans le cœur de Marie, qu'on voit ensuite gardant ces choses dans son cœur. Elle observe et elle garde les choses dans son cœur parce qu'elle a vu, donc elle a accouché, elle a vu quelque chose qui est accompli et en même temps, elle devine et elle comprend que ce dont elle a accouché n'est pas encore tout à fait né, hein, qui reste encore quelque chose qu'elle va découvrir, qui reste une surprise
et qui va ensemencer le monde, en fait. Donc il y a chez Marie, comme chez les mages, à la fois une trouvaille et puis une promesse. C'est une joie de ce qui est accompli et de ce qui commence en même temps. Et puis alors, il y a une troisième joie, et puis peut-être vous en trouverez d'autres en cherchant aussi. Mais trois, je me suis dit que ça allait bien avec les trois cadeaux des mages. C'est une joie qui est très attestée dans les évangiles, qui est la joie des retrouvailles. Et bien sûr, cette joie est aussi assez présente dans notre expérience de vie. On l'entendait tout à l'heure déjà dans le récit du prophète Ésaïe, cette parole adressée à Jérusalem. « Lorsque tu verras le Seigneur, tu seras radieuse et ton cœur bondira et ton cœur sera au large. » Alors on sait pour chacun de nous ce que peut représenter cette joie des retrouvailles quand un proche, quelqu'un qu'on aime, était séparé depuis un moment et que tout à coup on le retrouve, on peut le serrer dans ses bras, on peut entendre sa voix, voir son visage. On sait aussi dans les événements collectifs de la vie des peuples qu'il y a des moments de ce type-là, qui sont des moments de retrouvailles. Il y a un de ces moments d'émotion les plus considérables, c'est la chute du mur de Berlin, ce moment de joie extrêmement profonde, de retrouvailles de deux peuples qui n'en font qu'un. Voilà, cette image qui nous a été donnée de voir, on a beaucoup de chance d'avoir pu voir cette image et vivre ce temps, parce qu'il nous parle profondément d'une des natures de la joie, qui est de célébrer des retrouvailles. Alors cette joie est très, très présente dans les évangiles. C'est la joie du Père qui retrouve le Fils prodigue. Réjouissons-nous parce que celui qui était mort est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Donc, il y a dans cette joie des retrouvailles quelque chose qui touche à la joie même de Dieu de nous retrouver. Il y a de la joie dans le ciel quand un seul pécheur se convertit, dit Jésus plusieurs fois dans plusieurs paraboles. Voilà, cette joie-là est constitutive de l'Évangile. Et on peut comprendre la joie des mages aussi dans ce sens-là. Peut-être que c'est une joie qui les dépasse un peu, qu'ils ne comprennent pas entièrement parce qu'ils n'ont pas, au fond, tout le background des prophéties de l'Ancien Testament. Mais pour le lecteur du prophète Ésaïe, c'est quelque chose de formidable. C'est toutes ces promesses des nations, ces fameuses nations païennes qui marchent à la lumière de Dieu, qui viennent le rencontrer et le reconnaître. C'est une promesse qui est présente depuis très longtemps dans la foi d'Israël. Et c'est bien sûr à travers les mages une figure majeure de la foi chrétienne qui s'exprime. Je crois qu'il y a dans la déflagration, je ne sais pas comment le dire, le succès, dans l'énergie formidable de la foi chrétienne, dès le commencement, dès le premier siècle, il y a deux moteurs. Le premier moteur, c'est celui de la résurrection du Christ. C'est la bonne nouvelle qui éclate partout et que les disciples peu à peu reconnaissent, partagent, et donc qui est profondément une joie des retrouvailles. Et puis, il y a un deuxième moteur, qui arrive un petit peu plus tard, mais qui est tout aussi puissant, c'est le fait de découvrir avec étonnement que cette bonne nouvelle de l'Évangile, elle ne parle pas seulement au peuple d'Israël, elle ne parle pas seulement aux Juifs, mais elle parle à toutes les nations. Voilà. Tout le monde peut comprendre quelque chose de cette joie très ouverte. Il y a donc une forme de réconciliation, de barrière qui tombe, et d'unité possible dans l'ensemble des peuples en Jésus-Christ. Et ce sont deux moteurs extrêmement puissants qui ont fait le succès de l'expression chrétienne à travers le mode de la joie. Alors, je ne vais pas être beaucoup plus long, ne pas vous attrister en parlant de la joie, mais voilà, il me semblait qu'il y avait trois fleurs un peu, voilà, trois bouquets de joie au moins à travers ce récit. Qui faisait écho à cette joie qui va au fond, c'est comme une source en fait, qu'on la voit apparaître au début de l'évangile de Matthieu, puis après elle disparaît, elle réapparaît un petit peu, mais on l'entend très discrètement dans l'évangile,
et elle ressort à la fin à travers ce qui se passe pour les femmes. Les femmes quittent le tombeau, remplies tout à la fois de crainte et d'une grande joie. Voilà, c'est cette même grande joie qui brille au début de l'évangile et à la fin de l'évangile, et qui, au fond, donne une unité très profonde à l'ensemble de la bonne nouvelle. Voilà, cette joie qui est à la fois de constater que les puissants et les cyniques n'ont pas eu le dernier mot, à la naissance de Jésus comme à sa mort. La joie de croire dans l'accomplissement d'une promesse qui est un nouveau commencement, et c'est vrai à la naissance de Jésus, et c'est vrai à sa résurrection. Et puis c'est la joie profonde des retrouvailles, particulièrement forte après la résurrection et la Pentecôte. Donc de la crèche jusqu'à la croix, ce sont ces trois fleurs de joie, ces trois fleurs de joie qui parsèment l'Évangile et dont le parfum s'est répandu jusqu'à nous aujourd'hui sur notre chemin. Amen. Hey!